Angers 4e accueille le Gazélec Ajaccio 9e. Des Angevins privés de nombreux joueurs, Yaya, Ayari, Gomez et Diallo sont blessés. Côté Gazélec, François Pujol et Ducourtu sont absents, mais Jérémy Bréchet, la dernière recrue, est titulaire. Les promus corses ont fait un très bon début de saison, même s'ils ont subi 2 défaites sur les 3 derniers matchs. Ils sont quand même dans la première moitié du classement. 1 point à Angers serait un excellent résultat face à une équipe angevine qui, elle, espère toujours accéder enfin à la Ligue 1. Ça commence très bien, dès la 11e minute, but d'Abdoul Razaghi Camara. 3e but de la saison déjà pour l'ancien Sochalien. Une reprise à angle fermé peu évidente et l'international guinéen permet au SCO de mener 1-0. Dès la remise en jeu, Angers récupère la balle et 2e but signé Jonathan Kodjia, 4e but de la saison pour l'ancien Canet, l'ancien Rémois. Il devient un co-meilleur buteur du championnat de France de Ligue 2 avec cette 4e réalisation. En 2 minutes, Angers se retrouve à 2-0 face au Gazélec Ajaccio. Et pourquoi pas 3 avec ce nouveau débordement, le centre et la défense corse en difficulté. Les hommes de Stéphane Moulin ont décidé d'accélérer dès les premières minutes et d'obtenir un score définitif très vite. Toujours pas de 3e but, mais ça continue à attaquer sur le but gardé par Clément Maury. À la mi-temps, Angers mène 2-0. Il n'y a eu aucune occasion pour le Gazélec Ajaccio. Pour l'instant, les débuts de Jérémy Bréchet ne se passent pas très bien dans la défense corse. Côté angevin, il y a eu une belle dépense d'énergie pour obtenir ce résultat. Angers reste sur 4 matchs sans défaite. Et plus que cette série, il s'agit bien de gagner la rencontre. En seconde période, pourquoi pas marquer enfin ce 3e but qui permettrait d'être vraiment tranquille. Mais le Gazélec Ajaccio, qui a raté sa première période, espère montrer un autre visage. C'est déjà le cas sur cette percée, même si elle ne donne rien. Quelques meilleures intentions. Mais Angers a également encore des chances. Maury réussit à boxer ce ballon le plus loin possible. Kodjia qui a récupéré cette balle pour Angers. Lui peut s'offrir un nouveau doublé et devenir seul meilleur buteur du championnat. Mais il rate le cadre. Le Gazélec Ajaccio a toujours une petite chance. Il faut réduire l'écart dans un premier temps, mais ça passe à côté. Trop de maladresse en attaque pour l'équipe de Thierry Loret. Cette remise ne sera pas plus fructueuse. Ballon capté facilement par Ludovic Butel. Le temps tourne et les attaques restent très timides côté Corse. Très logiquement, Angers s'impose 2-0 face au Gazélec Ajaccio.